Fefe. Ah mais ça va être impossible cette vidéo. Come now for my lips. Oh mon dieu, j'ai réussi. Ouh, ouh, j'en peux plus. Ah non, par contre faut qu'elle s'assoie hein. Allez couche-toi. Allez couche-toi un peu plus. Salut tout le monde. Ma vie. Ah mais elle fout plein de miettes sur mon lit. Oh, bitch. Bon, on va essayer de faire avec, c'est chaud. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un t-shirt de sport, bah parce que j'ai fait du sport. Non, je rigole. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon chien. Mon dieu, mais elle est trop mignonne. Je suis clairement en train de la maintenir avec des friandises. Et vous connaissez sûrement mon chien parce que le nombre de fois je l'ai mis dans mes vidéos. T'es connu ma puce hein. Donc j'ai quelques questions à propos de ce petit ours. Du coup si ça t'intéresse je te laisse avec la suite. Est-ce que t'es prête toi? T'es prête ma vie? Aujourd'hui on se retrouve pour le Waf Waf Tag. Première question, comment s'appelle ton chien? Donc mon chien s'appelle Gaïa, G-A... Oui je parle de toi. C'est pas G-A-Y-A, comme j'ai pu le voir. Mon dieu mais regardez comment il est trop mignon. Ah non mais c'est un amour. Donc deuxième question, quelle est sa race? Donc sa race c'est un bouvier bernois. C'est pas la race de Beethoven là, je sais pas quoi, c'est un bouvier bernois. Voilà, c'est ça comme ça, elle a une croix blanche sur le torse. Aïe crari, genre c'est le crari du crari genre. Alors quel âge a ton animal? Je sais même pas, je crois qu'elle a 4 ans, 5 ans. Je vous l'écrirai là, je demanderai à ma mère. Oh bébé. Mais elle est trop mignonne. La première... La première photo de toi et ton chien. Donc la première photo je crois c'est celle-là. Oh mon dieu j'étais petit avec ma petite mèche là. C'était il y a 4 ans déjà. 4 ans, 5 ans. Aïe. Ah, ah ma puce. Ma vie. Ensuite, prochaine question. La première fois que tu l'as vue. Donc en gros je vous explique l'histoire. La petite story time du chien. Ma vie. Du coup pendant 2 ans on n'a pas eu de chien. Et du coup on voulait absolument un nouveau chien. Et on savait qu'on voulait un bouvier bernois. Parce qu'on adorait cette race, on trouvait ça grave beau genre. Du coup moi j'ai cherché, j'étais déter, mon père était pas trop chaud, ma mère était grave chaude. On a vu qu'il y avait une portée de bouvier bernois qui arrivait. Les photos sont sorties et là je le montre à ma mère. On avait flashé sur une chienne, déjà on voulait une fille. D'ailleurs c'est une fille, je sais pas si je l'ai dit. Et donc on a flashé sur une chienne et c'était pas elle de base. C'était un bouvier bernois qui avait une virgule genre blanche. En gros elle avait pas un très... Regarde elle a un très bien tracé et nous celle qu'on voulait, elle avait une virgule genre elle était... J'ai grave adoré, genre on l'a trouvé trop mignonne. Du coup bah on a appelé le centre, on a pris rendez-vous pour rencontrer les chiens, les chiots. Parce que c'était des chiots. Et la dame nous dit qu'il restait deux chiennes, madame et celle qu'on voulait. J'arrive, je vois plein de chiots mais j'avais envie de pleurer, ils étaient tous, j'arrivais tous les prendre, c'était horrible. Il restait elle et celle qu'on voulait. Et moi je me suis assis dans le petit parc avec tous les chiots. Et qui est venu me voir en premier? Madame est direct venue me voir, genre c'était direct le coup de foudre genre. Et la fille qu'on voulait prendre de base, elle s'en foutait, elle dormait, bref. Du coup, bah, on a un peu flashé sur elle. Et figurez-vous que du coup, on a décidé de prendre mademoiselle. En fait, juste après nous, il y avait une autre famille qui venait et qui voulait absolument celle qu'on voulait. On était deux sur la même chienne. Et finalement, bah, nous on a choisi elle. Du coup, bah, la deuxième famille était super contente parce qu'ils ont eu le chien qu'ils voulaient. Pourquoi tu me lèches? Ok, ouais, j'ai compris. Après, on va faire un petit régime, ma puce. Quel est son caractère? Donc madame, son caractère c'est qu'elle est grave susceptible. Là je sais pas pourquoi elle est en train de pleurer, regardez. Là elle se met là, on dirait qu'elle en a fait quelque chose de mal. En soi genre elle est pas chiante, elle a pas fait trop de bêtises quand elle était petite. Sa plus grosse bêtise qu'elle a fait, genre mon frère il avait fait un dîner avec ses potes. Ils avaient une grosse entrecôte je crois, un truc comme ça. Il avait laissé le truc dans la cuisine, il avait servi ses amis. Ses amis disent j'ai faim. T'as pas une deuxième part? Là mon frère il va dans la cuisine, il n'y avait plus rien, ma chaîne elle avait pris le truc, elle était partie dans le jardin, elle avait tout mangé. Qu'elle a fait aussi, elle a déterré des arbres, elle vole le pain sur la table, des trucs comme ça, bref, mais ça va. Ça va, elle est pas horrible. Quel tour sait faire ton animal? Gaïa, viens voir. Prends. Yes. Ah si Gaïa. Oui ma puce, c'est bien. Après c'est donner la pâte. Oui, c'est bien. Elle ne prend pas jusqu'à ce que je dis prends. Ma vie. Bon, vas-y, je la laisse partir parce que je vois, elle en peut plus. Bisous. En train de la séquestrer, elle en pouvait plus. C'était le Waf Waf Tag. Vous pouvez le reproduire chez vous. Les questions sont en barre d'infos. Qui se rappelle les tags.
Ça date de 2012 ce truc. Du coup, bah si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Ça a plu, je te fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous.